remarquerez que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre des choses, comment dirais-je, comprendre la parole de Dieu plus que 10 ans passés ou 20 ans passés ou même 5 ans passés. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit est en train d'enseigner ses enfants. Bien-aimés, c'était comme au temps de Noé. Au temps de Noé, lorsque le Seigneur voulait faire pleuvoir sur le pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Noé pour construire un bateau et pour appeler des gens afin que les gens entrent. Nous sommes en train de consommer les temps derniers. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais ce qui est mieux, c'est quoi? Vaut mieux de croire, vous serez sauvés, que de penser que nous sommes en train de rencontrer des histoires et vous pensez que votre vie, la Bible dit, c'était comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, se remariaient, tout ça. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur à fermer donc l'arche pour que qu'il puisse faire pleuvoir donc sur le pays. C'est pourquoi je vous rappelle encore que le Seigneur revient bientôt. Soyez prêts pour son avènement, soyez prêts pour l'enlèvement. Et malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas prêchées aujourd'hui dans vos assemblées. C'est pourquoi nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. 1 Corinthiens chapitre 3, verset au verset 16. C'est une question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le véritable temple de Dieu, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez. Le véritable temple de Dieu, ce n'est pas l'église Maranatha, l'église, je ne sais pas, la lumière de Dieu, l'église, je ne sais pas, de ci, de cela. Non. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Selon l'idée, ou bien selon, au fait, ce que le Seigneur voulait, il voulait que nous soyons son temple, pour ne pas dire ses temples. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: je n'habiterai pas dans la maison faite de mains de gens ou bien de personnes. Beaucoup de débats qui se font par rapport au temple. Beaucoup de débats qui se font par rapport au bâtiment. D'autres gens disent que l'église des bâtiments doit exister. Où est-ce que les gens vont aller prier? D'autres disent qu'il ne faut pas aller dans les églises des bâtiments. D'autres disent que oui, maintenant, si nous restons à la maison, nous allons faire quoi? C'est-à-dire, vous comprenez bien que il y a beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas que d'abord, le temple de Dieu, c'est le corps humain. Le corps humain. Le corps humain, ce corps-là que toi, tu traites mal dans la prostitution. Le corps-là, ce corps-là que toi, tu traites mal dans la cigarette. Le corps-là que toi, tu traites mal dans l'alcool. Le corps-là que toi, tu traites mal dans le vol, dans le viol, dans les tueries, dans les querelles, dans la haine. Ce corps-là est censé être le temple de Dieu. Beaucoup de gens partent faire des veillées, des prières dans des bâtiments en croyant que le Seigneur est là. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis avec eux. Nous allons lire ça. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si nous montons 18, en vérité, je vous dis que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est qui est aux cieux. Là, c'est le chapitre 19 qui dit: je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent
sur la terre. Tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si deux personnes s'accordent et s'ils demandent quelque chose, le Seigneur leur donnera. Pourquoi? Puisque là où deux ou trois sont assemblés ou réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous comprenez que l'église, le bâtiment, ce n'est pas le lieu où il faut aller voir Dieu. Comprenez-moi très bien. Je vous dis, beaucoup de gens partent dans des églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent, Tokei ndako ya nzambe. Nous partons dans la maison de Dieu. En lingala, et pour traduire en français, la maison de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. On ne cherche pas Dieu dans un lieu. Dieu est esprit. Il dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 21-22. Nous allons lire ça. Jean, chapitre 4, verset 21. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est, où ce ne sera, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu dans un lieu, puisque Dieu est esprit. Il faut que ton corps, ton âme, ton esprit puissent adorer Dieu. Il faut que ta vie puisse... Il faut que lorsque tu comprendras que tu es le temple de Dieu, c'est là où tu vas commencer à vivre selon la volonté de Dieu. C'est là où tu vas commencer à dire comme Jean-Baptiste, que moi j'ai diminué, que lui puisse croître. C'est là où tu commenceras à dire que Jésus-Christ, tu es mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître. C'est là où tu commenceras à vivre une autre vie par rapport à ce que tu faisais avant. Beaucoup de gens restent religieux. C'est-à-dire qu'ils font la volonté des hommes, mais ils refusent de faire la volonté de Dieu. Combien de gourous sont-ils dans ce monde? Partant d'Europe, Amérique, Asie, Afrique, tout ça. Puisque les hommes aiment voir pour croire. C'est pourquoi vous verrez que les enfants donc, d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans le désert, ils voulaient voir Dieu. Ils voulaient adorer Dieu, en fait. Ils voulaient adorer. Mais ils disent à Aaron, faites-nous un Dieu. Vous comprenez que les hommes sont insensés depuis le commencement. Dieu, on ne le fait pas. Dieu est créateur. Dieu est esprit. Dieu est un créé. Il n'est pas créé. On n'a pas créé Dieu. Ils disent, faites-nous un Dieu. C'est-à-dire, ils ont voulu, au fait, voir quelque chose qui représente Dieu pour prier. C'est pourquoi tu verras jusqu'aujourd'hui l'Église catholique prie la statue de Marie, prie la statue de Joseph et des anges. Puisque des gens veulent voir pour croire. Or, la foi, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu dans la foi. Gloire à Dieu, puisqu'il a laissé l'Esprit Saint qui nous enseigne. Et qui nous donne cette connaissance que nous n'avions pas avant. La connaissance que des pasteurs n'ont pas prêché. La connaissance que des docteurs n'ont pas prêché. Et ces gens-là ont la connaissance de la lettre. La Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Si tu mets la vie chrétienne au sérieux, si tu mets Jésus-Christ à la première position de ta vie. C'est-à-dire si tu mets Jésus-Christ d'abord et toi après, et puis d'autres gens, d'autres choses après, tu verras que ta vie changera. Puisque Jésus-Christ est là, Dieu est là, il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais tape un peu sur Facebook, tape un peu pasteur. Seulement le nom pasteur, tu verras beaucoup de pasteurs. Apôtre, tu verras beaucoup d'apôtres. C'est mal des noirs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Les Africains qui aiment le Seigneur, vous devez vous repentir de vrai. Puisque le Seigneur nous dit que
vous, Africains, le Seigneur nous dit que vous partirez, je veux dire, en enfer si vous continuez toujours à élever les hommes. Dieu n'aime pas qu'on élève quelqu'un d'autre devant lui. Ce n'est pas que lorsque Jésus-Christ avait dit qu'il y a deux commandements, c'est que les 10 sont tombés. Non, ces 10 commandements sont en vigueur. Sont en vigueur. Exode 20. Tu n'auras pas un autre Dieu ou bien une représentation divine, une représentation quelconque devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un ou quelque chose qui te donne de l'espoir pour le lendemain. Ton espoir devient ton mari. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Mais si tu commets le péché, tu commets un péché. Il faut aimer Dieu d'abord. Il faut aimer Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a montré cette forme-là d'aimer, cette forme-là de se soumettre. Lui-même se soumettait toujours au Père, bien qu'il lui-même c'est le Père. Mais c'est un autre sujet. Sinon, les gens vont dire ici que non, Jésus-Christ, il est seulement le Père, il est seulement le Fils. Non, il est le Fils, il est aussi Dieu, le Père. Ce sont des choses que tu dois être révélé pour comprendre ça. On peut enseigner du matin au soir, mais si tu n'es pas, comment dirais-je, enseigné par le Saint-Esprit lui-même, tu ne comprendras jamais. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste, le Saint-Esprit lui a convaincu, il voyait Jésus arriver et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, je dis que voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Parce qu'avant, le péché n'était pas ôté, le péché était couvert. Jésus-Christ est venu pour ôter, pour enlever le péché. La vie que tu mènes ne présente pas le temple. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es un vase vil, un vase sans valeur, un vase qui ne peut pas contenir des choses de valeur. Dieu peut mettre quelque chose dans ta vie que lorsque tu vas craindre son nom, lorsque tu vas marcher selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Voyez-vous comment est-ce que les gens s'entretuent à cause des pouvoirs de ce monde. Voyez-vous comment est-ce que les gens s'entretuent à cause de la politique. Voyez-vous comment les gens s'entretuent à cause des pays. Une terre qui va rester, qui va soit tu restes, toi tu meurs, ou qui va passer. Parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront. Bien-aimés, vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple, pour que ce temple puisse être réellement un temple de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Puisque la Bible nous dit, toujours dans 1 Corinthiens 3:17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Lorsque tu es en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, comme j'avais dit au début, une vie de fornication, une vie de vol, une vie de viol, une vie, c'est pas de querelle, une vie de la haine, une vie de la dislocation, une vie de toutes choses qui sont mauvaises là. Si tu mènes cette vie là, tu es en train de détruire ton cœur, puisque le cœur est le centre de tous les sentiments. La Bible nous dit que c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ton cœur là, lorsqu'il est plein avec de blessures intérieures, plein avec des querelles, plein avec des haines, tu es en train de détruire ton cœur, qui est censé être le centre, là où le Seigneur va habiter. Et que ta vie puisse être transformée par lui. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es hypocrite. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es idolâtre. Dieu ne peut pas non plus venir habiter en toi si tu es adultère. Dieu ne peut venir habiter en toi que si tu le laisses la place, puisqu'il dit que je frappe. Apocalypse 3. Je frappe, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai, j'habiterai avec lui. Ça dit, Jésus-Christ est dehors de ta vie. Il est en train de frapper.
Mais toi, tu danses là-bas dans ton église, tu penses que c'est là la vie. C'est-à-dire, quand ils chantent, quand ils entendent un chant là que tu aimes, bouge là, tu es en extase, tu penses que oui, c'est l'Esprit de Dieu. Non. Si les églises, là où vous partez, si les églises étaient de vraies églises, c'est-à-dire, s'ils étaient de vraies églises, c'est-à-dire des églises humaines, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont l'Esprit de Dieu, on allait voir des miracles qui s'opéraient. D'autres sont pasteurs, mais ils font le journalisme avec la politique, ils mélangent tout, avec, ils font des publicités, je ne sais pas quoi. Une église trop sale. Jésus-Christ ne peut pas venir prendre l'église, une telle église. Si tu fais partie des groupes de gens qui, après avoir été dans soi-disant église, chaque dimanche, tu postes pour dire que oui, j'étais à l'église, voici moi à l'église. Qu'est-ce qu'on t'a prêché là-bas? Tu ne peux pas écrire. Tu ne peux pas écrire, dire quelque chose, ou écrire quelque chose, ce que tu as reçu. Vous faites cette routine-là, chaque dimanche, vous partez, vous habillez de femmes noires qui se mettent, c'est pas en mèche jaune, rouge, bleu, tout ça. Vous vous dites que vous êtes vraiment chrétienne. Vous dites que vous êtes vraiment réellement chrétienne. Non. Une chrétienne ou bien un chrétien, c'est celui qui accepte d'abord le teint que le Seigneur t'a donné, le cheveu que le Seigneur t'a donné, la taille que le Seigneur t'a donné. Ne mets pas de postiche, ne mets pas de mèche qui descend comme tu deviens comme une blanche apparemment avec des cheveux, mais tu as le teint noir. Et tout le monde sait que ce sont de faux cheveux. Mais pourquoi tu mets ça? Pour te rendre belle et puis après. C'est pourquoi tu dois bien traiter ton corps. Ton corps est censé être le temple de Dieu. Si quelqu'un, comme je veux dire au 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ses temples. Le temple de Dieu est saint et nous sommes ses temples. La sainteté, c'est quoi? C'est l'absence du péché. La Bible nous dit dans le livre de Jean que quelqu'un qui est en Christ ne pêche plus, c'est-à-dire ne pratique plus le péché. Mais toi, qu'est-ce que tu fais chaque jour de ta vie? À quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es seul? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vois même un frère comme ça en train de dire quelque chose de la part de Dieu? Comment est-ce que tu te sens lorsqu'une personne te provoque? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu es rejeté? Que penses-tu lorsque la famille te rejette? Que penses-tu? Tu le haïs? Tu pleures et tu dis que Dieu, tu m'as abandonné? Ou bien tu vas dire que moi, je vais faire la même chose? Jésus-Christ nous dit, ne maudissez pas, et bénissez au contraire. Aimez vos ennemis et priez pour ceux-là qui vous maltraitent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Que personne ne s'abuse lui-même. Que personne ne s'abuse lui-même. C'est-à-dire, ne pense pas que ton corps là que tu as, c'est ton corps, non. Ton corps là, c'est une enveloppe là où l'Esprit de Dieu plutôt, devrait habiter. Ton corps là ne t'appartient pas. Ton corps là appartient au maître. Laisse ton corps au maître afin que le maître puisse t'en servir, s'en servir. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien, mais lorsque tu es seul, tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas chrétiennes. Le mal est accru tellement que même dans le lieu où vous dites que des églises, les gens engrossent, les gens, comment dirais-je, il y a des systèmes copinage, filles, si, garçons là-bas, il y a d'autres, même un pasteur qui était marié, il s'est remarié, il divorce, la saleté, comme des cochons en fait, la saleté. On ne ment pas à Dieu. On ne peut pas mentir Dieu puisqu'il sait sonder le cœur et le rein. Tu te fais souffrir pour rien. Tu sors le matin, très tôt le matin, d'autres habitent trop loin. Tu pars quelque part, tu mets de l'essence, tu te fais belle là. Comme j'ai toujours la petite dedans de dire, tu prends ton temps, même une heure du temps, à te faire belle ou bien beau. Tu t'habilles comme si tu partais dans une fête pour aller écouter des conneries. Pour aller écouter des choses qui ne te donnent pas la vie,
On va écouter des choses qui vont profiter que de ce pasteur. Pour savoir que les choses qu'ils sont en train de parler sont peut-être bonnes, puisque tu ne peux pas croire si toi tu pars toujours dans des assemblées conduites par des hommes. Je vais me poser la question, mais comment est-ce que je vais aller où? C'est-à-dire si tu es d'abord à la maison en train de prier Dieu, le Seigneur va t'envoyer des gens qui vont faire que tu puisses croître dans la vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, quand on dit réunis, c'est la réunion spirituelle, ce n'est pas une réunion charnelle. Là, il y a un monsieur qui est devant et qui fait tout ce qu'il veut. Il y a même pas, même les systèmes là de poser des questions, il n'y a pas beaucoup. S'il y a des questions, il y a des systèmes de questions, donc le pasteur dit ça en avance, j'avais vu ça une fois. Que posez-moi seulement des questions qui ont trait avec ce que nous faisons, ce que nous parlons maintenant. Il a peur que les gens ne puissent aborder d'autres sujets qu'ils ne maîtrisent pas, ou des sujets qu'ils n'est pas prêt pour répondre. Ils étudient, ils font la philosophie, ils font la théologie pour venir mater le peuple de Dieu. C'est comme des pharisiens, au fait, modernes. En effet, ces gens-ci sont des pharisiens modernes. Ils mettent, la séparation d'entre eux et puis d'autres gens qui s'appellent le peuple, mais les adeptes. Le pasteur est devant avec une chaise, une grande chaise, avec sa femme à côté. Et puis des anciens, des diacres, tout ça, ils sont là à côté. Mais d'autres gens sont derrière. Mais c'est quoi? Vous pensez que l'enlèvement se fera en partie? D'abord le pasteur et puis les anciens? Non. Dieu est esprit. Tout ce que vous faites là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Voyez-vous même que les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Les gens, puisque le grand miracle, c'est quoi? C'est lorsque les gens vont comprendre la divinité de Jésus-Christ. C'est lorsque les gens vont réellement comprendre qui est réellement Jésus. Lorsque les gens vont changer leur vie. Lorsque les femmes vont commencer à respecter leur mari. Lorsque le mari va commencer à aimer leur femme. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Plein d'hypocrisie. Il y a même un monsieur qui se dit apôtre. Lui, il se chamaille avec sa femme. Lorsqu'il vient maintenant à l'église, il se met derrière. Pour ne pas... il se met derrière, là, en train de bouder là derrière, puisqu'il s'est chamaillé avec sa femme. Et ce jour-là, c'est une autre personne qui doit prêcher. Et là, lorsqu'il est joyeux, il est content, là, il vient, il vous prêche. Mais c'est quoi? Je ne peux pas dormir avec la colère depuis la nuit jusqu'au petit matin. Si tu n'es pas prêt à pardonner à ta femme, serais-tu prêt à me pardonner moi si je commets une erreur? Non. Bien-aimé, comprenez ces choses. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon ce monde, qu'il se rende fou afin de devenir sage. Beaucoup de gens viennent avec des longs français, des longs anglais, des longs allemands. Ils veulent nous montrer qu'ils connaissent. Ils veulent nous montrer qu'ils maîtrisent toutes les situations. Mais après, on va les voir en train de se masturber dans des Skype, tout ça. Des bishops païens, des gens qui viennent avec un vent pour détruire l'œuvre de Dieu. Et puis des sites internet qui se disent chrétiens. Moi, je les appelle sont des sites boutiques. Qui vendent des CD, des livres et tout ça, ils appellent des gens comme ça pour venir partager la parole de Dieu. Tu verras beaucoup de gens regarder des genres de vidéos. Bien-aimés, vous qui regardez de n'importe quoi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que toi tu écoutes là, ce que toi tu regardes chaque jour, que tu penses que c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, amen. Mais que cela te change aussi. Tu étais toujours, donc tu es coloré, tu restes toujours coléreux. Tu étais quelqu'un qui était insolent, tu restes toujours insolent bien que tu sois chrétien. Tu t'appelles frère, mais tu te comportes comme un païen. Tu t'appelles frère, mais tu ne veux pas, écouter d'autres gens. Bien-aimés, les choses que je vous dis sont des choses qui vont bouleverser même votre foi. Puisque si vous écoutez la parole de Dieu, il faut que cette parole-là puisse bouger votre vie. Si votre vie ne bouge pas, c'est que la parole que vous êtes en train d'écouter ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Je continue avec la lecture dans la Bible.
Parce que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Quand il est écrit, il surprend le sage dans leur ruse. Je continue. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ils sont vains. Les gens que vous voyez là en train de conduire, même des pays, même des villes, même des églises. Si ces gens-là ne viennent pas de Dieu, tout ce qu'ils font, même si votre église est organisée, comme je dis, l'église c'est le cœur, c'est le corps, le temple c'est moi, c'est toi. Mais j'emploie donc ce terme église pour faire allusion à, par rapport à comment dire, à donc au bâtiment ou bien au temple, enfin au bâtiment ou bien aux assemblées, je veux dire. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit et qui vous conduit, comment est-ce que vous allez croître spirituellement? Répondez à ma question. Est-ce qu'un pasteur qui s'est divorcé, il est parti encore se remarier, lorsque toi, frère, tu auras un problème avec ta femme, quel conseil te donnerais-tu? Est-il? Lorsque toi, tu es avec la femme du pasteur, et que cette femme-là commet l'adultère, ou bien vice-versa, le pasteur commet l'adultère, ou bien il se sépare, quel sera ton état par rapport aux choses qui parlent de mariage? Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'une personne qui se dit pasteur, se divorce aujourd'hui, se marie demain, se divorce encore, se marie, est-ce que vous ne comprenez pas que ce n'est pas un homme de Dieu? Vous ne comprenez pas. Nous parlons, mais le Seigneur nous a dit ceci. Ce que nous faisons, c'est comme un livre que nous sommes en train d'écrire. C'est lui qui va prendre le livre. Lorsque tu vas commencer à lire ça, si tu t'arrêtes sur le chapitre X ou Y, c'est bon. Pour nous, ce qui est important, nous faisons sortir ce que le Seigneur a mis en nous. Nous ne voulons pas que les gens nous suivent. Si tu as des questions, tu peux toujours nous poser, nous allons te répondre. Nous ne voulons pas que nous soyons des leaders de gens, non. Parce que le Seigneur nous a rachetés pour que nous puissions aussi sauver d'autres gens. Le Seigneur nous a en fait averti pour que nous puissions encore avertir d'autres gens. Mais bien aimé, je suis né, je peux dire même, dans le système. Tant que mal, bien que mal, dans la religion en fait. J'étais là dans la religion. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une nouvelle directive. La directive, c'est quoi? Il nous dit que non, le chemin que vous êtes en train de suivre, c'est un mauvais chemin. Tournez-vous, le bon chemin, c'est ça ici. C'est pourquoi je l'appelle Yehoshua, Yeshua HaMashiach. The salvation, le salut. Dieu le salue. Donc je disais que le Seigneur sonde, donc le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ils sont vains. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous. Et vous à Christ et Christ à Dieu. Nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons pas. Il ne faut pas appartenir à un pasteur. Il ne faut pas dire que moi, je combat pour mon pasteur. Il ne faut pas dire ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il se comporte, le monsieur. Il ne faut pas te faire des ennemis à cause d'un homme. Fais-toi plutôt des ennemis à cause de Jésus. Lorsque ces gens-là viendront dans ta vie pour te détruire, Jésus-Christ va se lever pour se battre afin que tu ne puisses pas être atteint. La parole de Dieu ne sort jamais et rentre sans pourtant faire les effets. Tu as écouté ce que je dis. Y a-t-il des questions? Pose-nous. Pose-nous tes questions. Envoie-nous sur le mail. Il y a aussi le numéro de téléphone. Tu peux aussi nous appeler. Comme ça, on va parler de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que les hommes vous séduisent. Nous ne voulons pas que des hommes viennent avec des philosophies. Vers vous avec des philosophies qui vont vous détruire, qui vont détruire votre vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Une vie éternelle qui n'est pas, comment dirais-je, récupérable. Si tu la perds, tu perds tout.
La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 9, ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains, chapitre 8, verset 9. Lisez ça très bien. Si l'esprit de Christ n'habite pas en toi, bien-aimé, c'est que tu ne l'appartiens pas. Tu ne l'appartiens pas. Parce que tu ne peux pas marcher selon lui, puisque, au fait, la question était au début, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 16, quoi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Romains 8, 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et puis tu attends l'enlèvement. Tu es en train de vendre la parole de Dieu en CD, en vidéo. Tu vends tes chants, tu vends tes prédications, tu vends ton livre, tu vends, je ne sais pas, ta Bible, tu vends, je ne sais pas, tes services. Quelqu'un qui veut faire passer le message sur ton internet, que tu appelles internet chrétien, il doit payer. Et puis tu dis que tu as l'esprit de Dieu? Non. Non. Que le Seigneur puisse nous bénir, puisse vous bénir, puisse en fait nous conduire, ou bien vous conduire dans sa vérité. Vous êtes trop laissé duper. Beaucoup de gens vous ont menti. Vous avez tout accepté lorsque les gens vous mentaient. Mais lorsque nous vous disons la vérité, nous demandons à l'Esprit de Dieu de vous convaincre afin que vous puissiez croire à cette parole ici. Pas pour moi, mais pour la vie éternelle. Pour ta vie éternelle, pas pour moi. Non, même pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis sur lesavertis.net. Et cette vidéo sera bien sûr aussi dans d'autres réseaux sociaux. Partagez-la aussi à ceux-là qui pourront peut-être écouter, comprendre. Et que le Seigneur puisse prendre place dans nos cœurs, pas un homme. Encore une fois, n'oubliez pas que votre corps est censé être le temple de Dieu. Mais est-ce qu'il continue-t-il à être? Que Dieu vous bénisse.